assis dans le bureau du directeur là. Et il est toujours pas là, monsieur Grincha. Depuis qu'on l'a tabassé, on l'a mis un coup de crosse et tout, on l'a enfermé dans un carton, on a plus de nouvelles de lui. Et du coup, j'ai une idée. Moi, pendant la nuit, je suis sorti, je suis parti acheter un déguisement. Et je me suis dit, pourquoi pas faire son frère? Et du coup, je vais pouvoir diriger le lycée à moi façon. Je vais me transformer en directeur. Regardez, j'ai acheté un déguisement, attendez. Regardez, c'est moi, j'ai trouvé un déguisement comme lui. Tu vois, regarde, une tête un peu moche comme lui. Et je vais faire son frère. Et j'ai même acheté un modificateur de voix. Je vais être directeur. Je vais faire des trucs comme je veux. Je vais mettre les récréations plus longues. Je vais faire plaisir aux élèves. Je vais activer le modificateur de voix. 1, 2, 3, go. Ouais, salut mes petits bonhommes. Ouais, c'est moi. Je m'appelle monsieur Rémi Grincien. Je suis un. Je remplace le molot de connard de frangin rangeant. Ouais, salut mes petites salopes. Ouais. Ouais, t'as vu? Putain, ça passe. C'est lourd ce modificateur de voix. Putain de merde, ça va être cool. Ouais. Oh putain. Oh, c'est quoi ça? Ah, salut mes petits bonhommes, ça va bien mes petits bonhommes? Je remplace mon autre frangin de connard de Grincha. C'est son frangin. Vous êtes le frère de Grincha? Ouais, tout à fait. Sauf que je suis un peu plus bon que lui. Ouais. Ah oui, dans ce là. Ah oui. C'est assurément là, collègue. Ouais, tout à fait. J'arrive. Ah, mais attention, j'ai la classe là. Ah, ma petite salope, suis-moi là. Viens. Eh, vous, je suis déjà vraiment, je suis directeur adjoint là. Vous êtes directeur peut-être, mais quand même un peu de respect là. Entrez avec moi, y'a beaucoup de choses qui m'ont changé dans ce putain de lycée là, moi je vous le dis. Hein. Comment ça va changer? À partir de maintenant, je suis le boss, d'accord? D'accord. Eh, qu'est-ce qu'il est arrivé à votre frangin là? Ah non, écoute-moi bien, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai plus de nouvelles de lui. Il m'a appelé, il m'a dit si je pouvais le remplacer. Un petit problème, il a un peu la chiasse là, en ce moment. Il a eu la chiasse. Ah, d'accord. La chiasse, là, la putain de chiasse. Ah, du coup, je suis ton petit frère. Tu vois ce que je veux dire? Oui, pas de soucis. Pourquoi tu baisses les yeux quand tu me regardes? Je baisse pas, vous êtes petit, là. Ah, ouais, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai oublié. Ah, du coup, moi, là, moi, je suis là pour remplacer, d'accord? Je vais sonner la cloche, d'accord? On va faire l'échange comme je veux, d'accord? D'accord. Ah, c'est comment ton petit nom? Ouais, c'est monsieur de Monterry, et vous? Moi, c'est Rémi, grand chien, d'accord? D'accord. Ah, il est où mon café? Mon café, il est où? Faut que j'aille le chercher, monsieur directeur. J'ai pas pensé, votre frère ne boit pas de café. Bon, t'as l'air, ouais. Allez, on songe. Attendez. Eh bon, on y va. Bien verrouillé la porte. Pas de problème, monsieur directeur. Vas-y, toujours, j'arrive. Ensemble tous, et j'arrive en dernier, moi. Oui, pas de problème, monsieur directeur. Allez, on se bouge le petit gueule, là. Ils m'ont même pas reconnu, ces connards. Salut ma petite salope, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour petit. Comment ça petit? Je suis le directeur. Tu vas où là? Tu rentres à l'extérieur, on va faire rassemblement là. Sors. Ah pardon, désolé monsieur. Ok, t'as l'air, tu passeras sur le bureau, y'a pas de problème. Quoi? Range. Merci de rester en rang s'il vous plaît. Voilà. Je présente le nouveau directeur, monsieur Rémi Grincha, parce que le problème, monsieur Grincha est souffrant et c'est son frère qui le remplace. Ils se ressemblent, hein. C'est une famille de bizarres. Ils sont bizarres dans la famille. Ah, la prochaine fois, je crois que j'ai un Grincha, moi je cours. Sinon, c'est monsieur directeur, me dire 2-3 mots là, s'il vous plaît. Je me présente, je m'appelle Rémi Grincha. Je remplace mon autre connard de frère là, qui a la chiasse aujourd'hui. Avec moi, ça va pas se passer comme d'habitude, hein. Donc à partir de maintenant, les cours vont être plus longs. Mais non, c'était une blague. À partir de maintenant, les récrés, c'est 25 minutes, plus 15 minutes. Trop gentil. Je change un peu les règles, là. Et les téléphones sont autorisés, d'accord? C'est qui le directeur? C'est qui le boss, là, ici? Bah, c'est vous, mais on a instauré des règles. C'est moi, la loi, ici. Par contre, c'est pas crédible. Et maintenant, les courses, ce sera en 2 minutes. Non, ça c'était une blague, sinon je vais avoir des problèmes avec le ministère de l'éducation. Ça c'était une blague. On a le droit à la Game Boy chez nous? Bien sûr, moi, tout en fait. Allez, en cours, hop, hop, hop. Je vais vous apprendre à être des bons flics, à être un vrai flic. Attends, tu restes ici, toi. Toi, tu restes ici à côté de moi. Attention, non. Infirmière, tu restes à côté de moi. Monsieur. À côté de moi. Hop, 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 hop. Viens ici, toi. Il est où ta tenue? Bonjour, j'ai un petit souci. Il est où ta tenue? Il est où ta tenue? Un autre nouvelle? Oui. D'accord. Faut lui donner son carnet, là. Qu'est-ce que vous foutez, bordel de merde, infirmière? Bonjour, c'est qui lui? Jeune homme? Bonjour. En cours? Surveillant. Je m'en fous, aujourd'hui tu vas faire cours. Non mais monsieur, il est surveillé, il est obligé de surveiller les couloirs là. Écoute-moi bien, c'est moi le directeur, aujourd'hui il va faire cours. Viens avec moi, je vais te chercher une classe. Ok monsieur directeur, à vos ordres. Viens ici. Tu vas faire au moins un cours. Un cours de quoi? J'ai jamais fait de cours de ma vie. Bah justement, estime-toi heureux, je t'en fais un cours. Non, vous allez assister au cours, comme toutes les élèves, vous allez être un élève aujourd'hui.
Oh papa papa papa, vous allez où là? Les toilettes, j'ai pris ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nya, tu peux pisser dans l'école, dans la classe, dans un coin. Elle m'a dit oui, elle m'a dit oui, le coin. Mais maintenant, à partir de maintenant, tu peux pisser dans le coin de la classe. Ah bon? Tout à fait. Allez, pop, pop. C'est une blague. Ok, mais j'ai pas une tata à rigoler, mais c'est la vérité. Excusez-moi. Vous pouvez pisser dans le recoin. Vous allez au coin. Allez, hop, 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 on y va là. Attends, il te faut faire un petit coup de théâtre. Toi, viens avec moi. Hop, 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 hop. Tu vas où là? On m'a dit d'aller dans le bureau des surveillants. Pourquoi faire hein? Bah, c'est bien, on m'a dit que j'allais pas très bien. D'accord. Quel moi de vous déranger, je ramène un retardateur. C'est qui? Brian. C'est pas le surveillant, ça. Pas un élève, c'est je m'en fous, je m'en fous. Aujourd'hui, il va faire court, je vous dis. Aujourd'hui, il va faire court comme tout le monde. Oh, on va pas surveiller dans notre classe. Je m'en fous, il va faire court comme tout le monde. Je paye pas les gens dans le vide, je m'en fous, il va faire court aujourd'hui. Allez, amusez-vous bien. On est d'accord que cette personne, du coup, est considérée comme un élève. Pour le premier coup, oui. Si. Ok, d'accord. Ok, parfait. Merci ok, Brian. Brian, tu te rappelles quand tu faisais le malin, Brian? Les tenues, enlevez-moi ces putains de tenues à la récré après, hein. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Ah, merci. Ok, tout à l'heure. Oh putain, je l'aime, ce nouveau directeur. Je l'aime. Hop, 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 ça fout quoi, là? Non, mais la jeune ici, elle a pas suivi les cours depuis le début, monsieur directeur. Non, mais viens avec moi, ma petite salope. Ma petite dame. Viens avec moi, ma petite dame. Allez avec monsieur directeur. D'accord, pas de soucis. Bon, Sylvie, viens avec moi. Tu vas faire quoi aussi, toi, aujourd'hui? Viens avec moi. Hey, le vieux, viens avec moi. C'est à moi, vous m'appelez, monsieur directeur. Oui, venez aussi, monsieur, tout le monde venez. Vous faites de la mécanique aussi? 2 heures d'école pour vous, mademoiselle. Dans mon bureau tout à l'heure. Non, mais je plaisante. Je m'en fous. Je note, mademoiselle Jessie. Ah, c'est cool de faire ça. Ça vous va très bien. Vous me trouvez beau? Oui. Vous avez un beau charme. Une heure de colle dans ma chambre. Non mais monsieur, t'as dit pas ça après avoir les appels des parents là. Il faut pas dire ça, faut pas les dire. J'ai pas le droit de la niquer. J'ai pas le droit de la niquer. Bah non, c'est directeur. Allez où la fermière? Allez où la fermière? Oh papa papa. Qu'est-ce que tu fais là? Tu retournes un coup. Je m'en fous. Tu retournes un coup, putain de merde. Y'a pas d'infirmière. Bah y'a... L'infirmière est pas disponible. Bah y'a un enfant qui est en train de crever. Oh papa papa, on va faire ma gueule à l'usine à tabatelle. Toi la casquette là. 2 heures de colle dans mon bureau tout à l'heure. Y'a quelqu'un qui est en train de crever. Ah bah qui crève, allez venez en cours là. Allez hop hop hop. Il avait pas qu'à être en retard, putain de merde. Allez en cours, pop pop. Toi là, l'araignée, tu viens avec moi, tu vas aller en cours aussi. Ah monsieur le professeur, le directeur veut pas envoyer l'infirmière. Il a dit laissez le crever. On laisse crever alors. Bob, tu vas en cours, hop hop hop, avec les. Non. Il est où le surveillant? Je suis surveillant. Je m'en fous si tu vas pas en quoi, je te dis. Il est le surveillant. Tu vas en quoi, putain de merde? Non, mais ici écoute... C'est qui a bagarré? Bah, venez, il est à l'intérieur. Il lui a dit je te baise et du coup, elle lui a mis une gifle. Bah, mon collègue va s'occuper. Allez, collègue, pop, pop, pop. Hop, pop, pop. Hop, pop, pop, pop. Mais si tu étais, je me noque. Pop, 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 pop. Dépêche-toi, je suis surveillant, moi. Je suis le directeur aujourd'hui, putain de merde. Tu vas en quoi aussi, toi? 1 heure de cours, toutes les surveillants, fais le première heure de cours. Après, tu reviendras surveillant. Hop, 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 allez en cours, comme tout le monde. Allez, hop, 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 il a dit. Vas-y, on y va pas. Non, mais bordel de merde. Hop, 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 hop. Oh, mais il arrête pas de pop, 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 là. Oh, il me saoule. Vous voulez une augmentation? Comment ça, une augmentation? Est-ce que vous voulez une augmentation? Bah, ça dépend pourquoi je devrais avoir une augmentation. On va faire l'amour! Ma petite dame, installe-toi, on va faire l'amour! Comment ça, on va faire l'amour? Ah oui, je tripe ton salaire après! Ah ouais, carrément. Mais monsieur, par contre, on peut pas faire ça là maintenant? Enfin, je sais pas. D'accord! Et... Tout à l'heure alors, ce soir! On verra parce que s'il y a les élèves qui arrivent. Ce soir dans ma petite chambre! À ce moment-là. Très bien! Va chercher mon café et tu me ramènes de mon bureau. Pas de problème. Il me tue ce directeur. Je m'amuse très bien comme ça là, putain. Personne ne sait que c'est moi. Oui, je sais ce que je vais faire. Je vais installer un skatepark pour la récré. J'ai commandé un skatepark là pour la récré, pour les enfants. Un skatepark? Ouais, tout en fait. Regardez-moi ça, ça branle rien. Ça branle rien. Regardez-moi ça. C'est un policier, ça, c'est un gardien, monsieur. Il surveille l'établissement. Ah, mon fond. Oh, pop, 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 ça fout rien là. Qu'est-ce qu'on fout là? Oh, comment c'est pas là, vous, ouais. Je suis pas vous qui êtes un surveilleur 24 sur 24, hein. Racontez-moi bien là, c'est moi le nouveau directeur là. Tu vas baisser d'un temps. Comment ça, c'est vous, attendez, c'est pas vous qui m'avez recruté, là. Et où, c'est son frère. Il a la chiasse aujourd'hui. Il a la chiasse. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas me livrer un skatepark. Va chercher un skatepark, dépêche-toi, là, dépêche-toi. Ah. Ça branle rien, ce que je vois, ça branle rien. Allez me chercher ce putain de skatepark. Dépêchez-vous. Ah, écoutez, Bob, je me suis changé. Ah, bah écoutez, ça tombe bien, vous avez un skatepark à aller chercher.
Eh, trouvez-moi un skatepark, je sais pas quoi. Allez, salut, je suis le nouveau directeur qui remplace mon autre connard de frangin. Donc, tu es en retard, mademoiselle. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a pas son nom. Ah bah, tu vas venir avec moi. Tu vas venir avec moi. Allez, suivez le directeur, mademoiselle. La pelouse est un peu grande là, donc d'accord, tu vas tourner la pelouse. Mais j'ai. Hop, 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 hop. Je peux pas aller en cours. Hop, hop, hop. Non, mais discutez pas, mais c'est au directeur. D'accord. Hop, hop. Monsieur directeur, je crois qu'il a mis sa tenue avec son short rose, ça va faire un peu bizarre. Non, comme ça elle est bonne là, comme ça elle est bonne. Allez, pop, 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 elle est où? Elle est où, ce putain de tondeuse? Allez me la chercher là, le vieux. Elle est à l'entrée. Allez, va avec le vieux, va avec le vieux. Hop, 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 pourquoi? Oui, mais je suis là pour apprendre, moi. T'as raté une heure de cours, t'es là pour apprendre, tu te fous de ma gueule? Allez, hop, 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 on tend la pelouse. Hop, hop, hop. Et en plus, c'est pendant la récré, parce que je vais sonner là. Allez, hop, 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 on sort maintenant. Hop, 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 3 heures de colle, 3 heures de colle, 3 heures de colle après les cours. Allez, hop, hop. Mais j'ai jamais fait ça, moi. Allez, tu retournes en cours. Allez, hop, hop, hop. Je peux continuer, monsieur? Voilà, j'ai sonné. Oh, elle a fait des trous partout. Pas de problème, monsieur directeur. Je peux prendre un vélo? T'as pas été sage, fais-moi un bisou d'abord. Non, bah ça ira. Ah bah voilà, t'as un pain de vélo. Non mais, mais pourquoi? Hop, un petit bisou d'abord. Je vais faire un bisou au directeur avant d'entrer sur les vélos là. Non, pas toi, putain de merde. Moi je te fais un câlin si tu veux, frérot. Non, dégage. Elle tient court. Dégage, Didi. Allez, 3 heures de colle. Je peux pour le vélo, alors. Bah non, mais on a un règlement stream, vous avez tout changé ou quoi, monsieur directeur? Ah oui, tout à fait. Il faut qu'ils se défoulent un petit peu, ces petits jeunes, tu comprends? Ils vont finir comme toi, sinon. Comment ça, comme moi? Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur directeur? Tu fais rien, justement. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu fais rien. Hop, tu vas où, là? Oh, je voulais voir un petit peu mes potes, j'ai pas le droit. Non, pop, dormis-toi. Non, je rigole, c'était une blague. Oh, il a dit pour le Gremlins. 3 heures de colle, embarquez-le. Ah non, pardon, c'est bon, je rigolais, on a pas de Enfermez-vous bien, les directeurs, je suis pas comme l'autre connard de gens. Va avec moi, on s'amuse, les jeunes. On est pas là. What the fuck? Oui. Ah, vous êtes là combien de temps? Parce qu'un lot il a plus la chiasse, en ce moment il a la chiasse, mon autre connard de frère. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Hein. Ah, c'est qui le meilleur de vous deux? Ah bah moi, tu vois pas que je suis le plus beau? Ah, dis-moi, qu'est-ce que t'as de plus que lui? Bon coup, je suis beaucoup plus cool, beaucoup plus intelligent. Regarde ce que j'ai, retourne-toi, regarde derrière toi. Regarde ce petit cadeau que je vous ai fait. Ah ouais, généralement quand les gens comme ça qui doivent strict, ils sont très gentils, voilà, ça sent pas bon, tu vois, ça sent le piège. Écoute-moi bien, ici, les élèves sont les professeurs, et les professeurs sont les élèves. C'est comme ça fonctionne, chez moi. Putain, c'est bien, c'est bien, tu sais quoi, attends, je vais me changer alors. Ah bah c'est, ils sont plutôt gentils vos élèves, hein. Moi je suis tombé sur Soso, Fiasso et Calvin. Oh, des amours, hein. C'est sûr qu'ils vont venir à la LSPD avec moi. Hein. 3 heures de colle, sors de ton vélo. Mais j'ai quoi? 3 heures de colle, on fait pas du vélo ici. J'ai fait quoi? Embarquez-le. Ah mais d'accord, je recommencerai pas, c'est bon. Donnez votre chèque. Ah putain, grâce à ces mecs, putain t'es trop fort, putain. Voilà, merci bon, beaucoup. Un mot dans son carnet signé par les parents aussi. Hein. Signé par les parents. Hop. Ah là, c'est petit jeune. Hein. Ah j'aime bien ce rôle. C'est cool, ça me donne un peu mal à la tête, mais c'est cool. Vous savez que votre frère, avec tout le respect que je lui dois, il était vraiment très méchant ici. Enfin, j'espère qu'il m'a crevé. Un mot dans son carnet, plus signé par les parents, s'il vous plaît, le vieux. Ah oui, mais je suis pas vieux, c'est monsieur devant Terry, monsieur directeur. Ah bah maintenant, c'est le vieux. Hop, j'ai dit, c'est la récré, qu'est-ce que vous foutez encore à l'intérieur? 2 heures de colle, vous avez bien entendu. Tout à l'heure, je viendrai vous distribuer des téléphones, des bonbons en classe, non vous inquiétez pas, il y a plein de surprises là, vous n'êtes pas prêts. Ah ouais. Hop, 3 heures de colle pour toi, là, qu'est-ce que tu fais dans le couloir? Allez, 4 heures de colle, 5 heures de colle. Monsieur directeur, vous allez bientôt coller toute l'école dans un moment. 10 heures de colle pour toi, 10 heures. Tu m'as compris? 10 heures. Comment ça? Allez, va voir tes élèves, là. Ok, j'y vais, monsieur directeur. Je me cache ici. Oh, si on me voit. Ah, il est pas mal ce déguisement, putain. J'aime bien le déguisement, waouh. Un déguisement dans Harry Potter en plus, putain. Oh là là. Hop, viens me faire un bisou. Hop, venez me faire un bisou. Pourquoi un bisou? Monsieur directeur, il y a un problème là. Il y avait tous les surveillants, tous les profs qui vont arriver devant votre bureau là. Parce qu'ils aiment pas le bureau. Il va arriver, je crois, il est parti chercher quelqu'un. Ah bah, je vais les virer. C'est qui va faire cours alors? Ah bah, c'est toi. Je vais pas gérer 6 classes ou 5 classes, monsieur. Je m'en fous, tu te démerdes. Allez, on pompe. Tiens, une augmentation pour toi. Tu bosses bien, toi. Tiens, une augmentation, viens. Continue comme ça, c'est bien. Ouais, merci, patron.
T'as vu comment ils vont faire? Regarde moi ça. Ils sont là-bas, ils veulent pas travailler. C'est quoi le problème? Bah le problème c'est qu'on souhait... vous avez donné des droits aux élèves, donc les élèves se sentent supérieurs aux profs et on se fait tabasser par les élèves. Donc moi je fais plus court. D'accord, ok, pas de soucis, au revoir. Toi là, va faire cours de médecine, dépêche-toi. Oui. Allez. Non, mais il y a trois élèves qui m'ont attaché et qu'ils ont fait n'importe quoi. Allez, on y va. Je dois aller travailler. Ouais. Non, maintenant. Tant pis. On va partir en couille, je t'école ou quoi? Vous allez faire cours, c'est où?